Mentor, aurais-tu un moment? J'aurais une requête. Parle, je t'écoute. Un imprimeur a reçu une menace de mort qu'il nous faut prendre au sérieux. Les Templiers essaient de le réduire au silence. Je voudrais attirer ses ennemis dans un piège en faisant semblant de l'escorter en lieu sûr. Entendu, mais qu'attends-tu de moi? Que tu traques nos poursuivants. Nous... marcherons à découvert, mais toi, tu resteras dans l'ombre. Molto bene. J'ai un traitement au mercure pour la migraine. Reste près de nous et tue tous les Templiers que tu verras. Ils peuvent surgir de partout. Je vous ai fait. Il est prêt. Où sont les gardes? Non, je ne veux pas être mêlé à ça. Il a sûrement ses raisons. Fils de chien, mâche. Dites-moi ce que je vous ai fait. Dites-moi au moins ce que je vous ai fait. Ça, c'est incroyable. Abandonne, assassin! La tête de cet homme est mise à prix! Vous ne me ferez pas taire! Jamais! Abandonne, assassin! La tête de cet homme est mise à prix! Vous ne me ferez pas taire! Jamais! Ah.
maintenant. Pitié, je me protège. J'essaie de vous sauver. Restez ici et cachez-vous. Mon assassin a besoin d'aide. Mon Dieu, épargne-moi. Bon sang, mais où est-il passé? Aide-moi, mon Dieu. Je n'ai rien à voir avec vous. N'ayez aucune crainte. Laissez-moi vous soigner. Pas question de rester ici. Je sens les trompes. Que s'est-il passé? Qui était ce guerrier? Une vraie bête enragée. Je n'avais jamais vu un Templier se battre avec une telle brutalité. Aujourd'hui, je l'ai vaincu, mais de peu. Reste sur tes gardes, il reviendra. Il n'est pas de souffrance que je ne puisse apaiser. Ils ont entendu dire qu'ils avaient tué une caravane d'orphelins réfugiés qui revenaient des combats à l'air. Mon bien-aimé négocie. Ezio, te souviens-tu de cet imprimeur que nous avions aidé? Bien sûr. Je me souviens surtout de ce Templier qui avait failli le tuer. Cette brute a décidé de s'en prendre au père de l'imprimeur, un héros local. Quelle cruelle manière de forcer sa cible à se montrer. Nous devrions avertir le père et nous débarrasser de ce Templier. Ces assassins sont des brutes, des tueurs à... Excusez, signore. Votre fils s'est attiré des ennuis. À tel point que les hommes qui le cherchent pourraient s'en prendre à vous. Mon fils? Mais ce n'est qu'un simple imprimeur. Et moi, je ne suis qu'un héros. Qui pourrait nous vouloir du mal? Une parole peut blesser comme une lame, amigo. Ezio, je crois qu'on nous surveille. Tu ne vois rien? Des Templiers, tu les vois? Oui, mentor. Maintenant, meurs! Oh, j'imagine, vous n'avez rien à faire! Je vais rentrer! Je n'ai rien à faire! Restez pas là, il est fou! Tu me rentres chez moi! Je n'ai rien à voir! Laissez-moi partir! Je n'ai rien à voir avec ça! Non! Je ne veux pas mourir! Papa! Je n'ai rien à voir avec ça! Si tu dégaines ton arme, cet homme mourra. Amène-moi l'imprimeur. Amène-moi son fils. Et alors, qu'est-ce que tu attends?
Que tu te ravises. Son heure approche. Ma mort t'honore, assassin. Crois-tu qu'on te récompensera pour avoir tué un homme plus courageux que toi? Tu as pris ma vie, mais ma légende, mon pouvoir et mon influence vivront pour l'éternité. Les hommes me craignaient. N'est-ce pas la marque d'un vrai chef? Ne laissez pas s'enfuir! Non! Je ne veux pas mourir! Il a disparu! Il s'en est fallu de peu! C'est l'œuvre du démon. Il ne faut pas rester là. Oh mon Dieu, du sang. Je serai mort. Oh, quelle honte. Les entrailles à l'air.